Ça devrait être bon. Oui, c'est pour ça que tu dis ça. Non, mais t'as raison. T'as raison. Voilà, normalement, je vais reprendre. Vous me dites s'il y a un truc qui va pas. Le peu que j'ai vu dans mon retour, c'était bien. Ah, j'ai peut-être pas déclaré la catégorie. Merde. Attendez. Je suis encore en discussion, c'est pas bien. Il faut que je mette le... Ah, merdoum. Il est où l'opposing force? Il est là. Voilà. Voilà, là normalement c'est bon. Oui, mais j'avais le. Attendez. J'avais mon autre périphérique de jeu, le fameux Nostromo, le clavier à une main, qui est génial, que je vous recommande. Oh merde, il se passe un truc. Oh mon dieu! L'homme du riff! Bonjour et merci pour l'acte de fidélité, bienvenue. Eh? Pourquoi je suis dans le noir dans le jeu? Ah! Ah, il faut que j'aille dans le trou du truc. Waouh, oui. Merci tout plein pour ce test de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. 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 Je suis... Ouah, ils lancent des trucs, les salopards. Ah, je me souvenais pas qu'ils pouvaient balancer des projectiles. Bah, en fait, il faut que je prenne la bonne arme en main. Ah, les salopards. Ah, il y en a encore un autre là-bas. Ah non, on va en venir. Oui, c'est vachement sombre ici. Je suis obligé de garder la lunette de vision actuelle. Ah non, oui, il y a trop de caisses explosives. Ils sont fous de mettre des caisses explosives quand il y a un truc de. Ah oui, bah d'accord. Destruction par les flammes, ok. Ils sont fous, les gars. Et là, non. Ah, faut boucher le truc avec la caisse, c'est ça. Et ça va faire exploser le chemin de big, je crois. Et si je fais ça. Non, je peux pas. Et ça, c'est un explosif. Attends. Ouais, non, il faut que je le mette là. Ne pas obstruer le test de flamme. Oui, bah tu mets là. Ça va faire un gros boom. Bah, on voit pas grand chose, je trouve. Bon là évidemment c'est quand je vais lancer le truc des flammes, la vision nocturne va complètement aveugler mais... Merde, n'importe quoi. J'ai tiré sur le bouton, le con. Ouais. Voilà.
l'accès par en dessous. Eh ben. Par où je descends, moi, par là. Bread, bread, bread. Merde. Ah. Hop là, je l'ai pas vu lui. Il est où? Ah, il est là-bas. Cochonnerie. Merde, on a l'air. Oh, oh, la balle l'a stoppé net dans sa course. Il y en a d'autres qui arrivent. Oh la vache. Mais. Ah, merde, non. Mec, c'est parce que je suis pas assez près. Quoi la suite? Ah, une route souterraine. Elle nous massacre. Yep. Ah. Non, ce sera pas l'élévateur employé ou parking des employés. On va prendre le système de service. Merde. Qui c'est qui? Ah oui, attends, il y a le... Ouais, il y a un peu de matos, je dis pas non. Rapidement dehors, l'autre bout de la route. Il n'y a rien de planqué, il n'y a pas de... Je serais retourné en arrière, je serais monté en haut pour voir ce qu'ils avaient. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mince. Oui, moi aussi, ça m'avait laissé le sentiment d'y aller trop vite dans l'exploration de la carte. Ouais, non, c'est verrouillé. C'est verrouillé. Je suis à l'ombre. Allez, go, on y va. Zone de stockage 2. Les bestioles couraient au-dessus. Un interrupteur, là, il y a l'obscurité.
Oh, nouvelle bébête. Ce sont de nouvelles bébêtes. Ouais, non, c'est pété. Du matos. Ah merde. Ah, ça marche, je sais pas quoi, les cochonneries là. Ah, doudou. Un garage. Non, est-ce que j'ai un truc dans le camion? Oui. Il y a du matos dans le camion. Ah, sympa, un petit truc à mettre au mur, enfin sur une paroi du moins. Ça peut être aussi à la verticale. On a une autre. Vraiment drôle de bestiole. Ah, le mec qui se planquait derrière. Merde. Je vais la recharger, c'est très con parce que évidemment je me suis foutu des dégâts en me laissant surprendre avec le lance-roquette. Là c'est con, là il faut que je la refasse. Hop là. Lance-roquette offert par la maison. Ah. Et là, oui, là, je peux sauvegarder. Je ne sais pas ce qui est pire. Vous qui avez pour ordre de nettoyer ce complexe ou ces extraterrestres. Oui. Ils perdent leur voix. On voit qu'il y a eu un doublage spécial avec d'autres comédiens pour cette extension. Moi, je m'arrête ici. Voilà. Mais mélanger à la voix de base, ça casse. C'est dommage, hein, ça fait tout bête, mais ça casse le... l'immersion, la crédibilité. Enfin, bon. Oula. Ouais, donc l'autre cache d'ascenseur est là-haut. Ouh, ça va être chaud là. Ah, l'autre est en train de lâcher visiblement. Que je me mange la cage d'ascenseur. Ah, je me suis encastré. Mais. Oh. Alors, oh.
J'aurais même pu avoir les petits cartons. Il y a du matos entreposé là. Tiens, on se demande si c'est pas le couloir où vous vous souvenez, dans l'épisode principal avec Gordon Freeman, on voyait un plafond comme ça avec les lampes comme ça. C'était pas là que Gordon Freeman avait été transporté sur la civière quand il avait été capturé par les militaires. Ça y ressemble. Le sol est mouillé, oui, il est surtout électrifié le sol. Oui, ça c'est fermé, je présume. Bah oui. C'est drôle de mettre en place une telle épreuve. Ah, va falloir monter sur les caisses. Et encore, je suis pas sûr parce que. Bon, alors, va falloir passer très vite. Ouch. Ouais, il faut passer très vite en fait. Ah, il y a quelque chose là. C'est la suite ou... Attends. Le son est bien fait. Oula, je me suis encastré dans le plafond. Ah, alors ça c'est couillon. Dans la modélisation du niveau, je me suis encastré dans le plafond. Je peux plus m'en sortir. Ah, va falloir recharger la... Bah je suis débloqué, mais avec des dégâts, c'est ridicule. Ah, la suite est là-bas. Ah, mince. Faut recommencer. Oui, donc là, je sais plus. Okay. Attends. Donc là, il y a le truc là. Ouch. Non, pas d'intérêt. Voilà. Pas que je saute comme un fou furieux, parce que sinon ça va pas le faire. Mais non, mais je suis revenu à mon point de départ. Ah oui, mais il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus, donc là je peux y aller. Elle est là, la vigie. Est-ce que ça m'a déverrouillé? Oh, c'est, oui, c'est une vraie patinoire. Est-ce que ça m'a déverrouillé ça? Non. Non, 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 donc c'est pas ça. Je peux pas... Non, je peux pas remettre, ça n'a pas d'intérêt. Alors là, la suite... Ne me dis pas qu'ici c'est un petit bonus par rapport à la cage d'ascenseur. Faut pas que je retombe dans la cage d'ascenseur, si. C'est bizarre. Y a pas une voie aérienne avec un plafond, je sais pas quoi. C'est bizarre quand même.
Là, il n'y avait rien de particulier. Oh là, ça glisse à mort. J'y vais tout doux parce que ça glisse vraiment. J'ai plus le contrôle du perso. Je réfléchis. Je pense pas qu'il faille faire exploser ça, non? Attendez, sauvegarde parce qu'avec le son. Archi nul. Je m'attendais à une explosion, il s'est rien passé. Bon. D'avoir coupé électricité, j'ai un gain en haut peut-être, lequel je sais pas encore, mais attends, je vais venir de là je crois. Bah oui, non, je peux pas aller tout en haut, il n'y a pas d'échelle, je peux pas aller tout en haut. Ah, du piège de la cage d'escalier. Non, de toute façon, je vais... Ah, mais non, je peux pas repasser par là, je suis bête. Oh. Là, de peur de louper le saut, je regarde. Pas facile ce saut, pas du tout facile. Voilà, merci. Oui, là il se passe rien si je fais ça. Oui, bah oui, non, ouais, la cage est pas là, la cage d'ascenseur. Je revienne autant sur mes pas que ça. C'est bizarre. Alors là il y a un truc que je piche pas. Ah non, ça n'a rien déverrouillé. Il y a quelque chose qui a échappé à mon attention. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui a échappé à mon attention. On est bien d'accord que là, c'est toujours verrouillé. Ouais, je peux pas. Étrange. Là, il y a toutes des ténèbres. Là. Ouais, bah oui. Oh, je finirai bien par trouver. Je finirai bien par trouver. Ouais, y'a rien à l'angle. Il a une idée, lui. Allons-y. Vous allez devoir me laisser ici, Gordon. Bizarre. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qui m'a échappé? On va vraiment aller dans le... Merde. Oh, c'est chiant ces cages d'ascenseur. Il y a un modèle 3D qui a des angles obtus, chiants à négocier. Du coup, ça fait collision. Qu'est-ce que j'ai merdé ici?
j'ai pas un avantage à tirer là-dedans. Non. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Non, ça se casse pas. Parce que le tuyau était un peu plus sombre que de la normale. Unit 2 power. Je dois deviner qu'il y a une unité 1 que j'aurais pas vue. Ah merde. Voilà. Personnel autorisé seulement. Qu'est-ce que j'ai pas capté? Je peux pas aller tout en haut, c'est pas possible. Là, étage intermédiaire, y a rien à y faire. Ça. Le câble. Il monte pas au cap quand même, c'est un truc à bouffer, non? C'est pas un alien là, non? Non, c'est vraiment la corde de l'ascenseur. Il peut s'accrocher aux cordes, façon Lara Croft. Mais bon, j'ai fini par trouver cette femme. Ah la vache, faut aller au-dessus de la cage. Ouais. Et je peux me balancer. Je peux me balancer. Voilà. C'est pas faux. Oui, tu veux que je le fasse, l'entraînement, je sais. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu... C'est bête, t'aurais peut-être dû me le rappeler plus tôt, tu vois. Dommage, au moment du sondage. C'est vrai. Quoi? J'ai pas dit... J'ai pas déclenché de laser. C'est pas moi le fautif. Et là, je peux pas sortir. Je peux pas sortir. Ouh, il y a du monde. Ouais, il y a peut-être des bestioles. Allez, on y retourne. Non. Ah, munitions. Non, 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 pas de... non, non, pas.
Ah, c'est là. D'accord. Attends, j'ai pas de caisse. Merde. Ah, il peut pas sauter sur le... Pas facile de viser droit. Hein. J'essaye. J'essaye, mais j'y parviens pas. Dommage. Ah, excusez-moi, je vois que j'ai quelqu'un qui essaie de me joindre. Ah, bon, il y a un copain, je le rappellerai après. Mais c'est pas urgent. Aïe, 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 aïe. Ah, bah la caisse va me servir. Sur le tuyau là. Ouais, la suite serait là en fait. Mais non, j'ai fait un tour gratuit pour rien. Ah, faire péter là. Ah, faire sauter les accès là. Je suis un petit peu blessé, mais... Ah non, on voit rien sinon. Faut vraiment que je... Ah bah, non, l'interrupteur est vraiment pété. Ah non, l'interrupteur est pas pété. Ok. Je vois pas trop l'intérêt de la manœuvre, mais bon. Forcément, c'est verrouillé. La grenade, je l'ai pas prise. Ah, j'en ai pas besoin. Attends, je vais oublier de l'autre côté, comme j'ai une grenade gratos. Autant la lancer dedans. Voilà. Ouais, il faut que je... Ah si, l'intérêt, c'est de se coltiner la caisse. Alors, la physique est un peu space par moment. Au niveau du pousser-tirer des objets. Ah, j'ai fait gicler un truc visiblement. J'ai fait gicler un truc. J'ai bien fait de balancer la grenade. Ah oui, guili 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 là. Là c'est le guili guili de la mort. Là. Ah.
évidemment, dans ce sens, ça s'ouvre. Sinon, c'est pas drôle. Je vais encore jouer avec la caisse, c'est ça. Quoi ? Non, ça peut pas être lui. Ah, c'est ceux qui sont en bas. Oh, cette physique du jeu. Je sais pas si ça va m'aider. Je crois qu'on n'est pas prêt de recevoir une nouvelle subvention. Ah, il y avait une erreur de cette... Je me suis caché dès le début des combats. Je ne pense pas qu'il y ait eu un seul survivant là-haut. Cette incohérence dans les doublages. Avouez-le, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Il y a des traitements violents à base d'hormones, je crois. Oui. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'espère aussi. Je refuse de faire un pas de plus. Fascinant. Je n'aurais jamais cru que de telles choses puissent exister. J'ai comme un mauvais pressentiment. Ou dehors des choses dans le faux plafond. Non. Non. Ah là, ok, bien compris. Qui c'est que bien compris. Oh la vache. Oh, la machine est ventée. Ça présente plutôt mal. On se calme, les gars. Il a un coup de beurre d'arme, vous me voyez. Oula. Vous avez vu les soldats de l'invasion? Oula, les malheureux. J'ai comme un mauvais présentiment. On se calme, les gars. Mouru. Ça se présente plutôt mal. Ah, elle est chiant, elle. Oh, non, j'ai déjà de la... Non, je peux pas. Ou alors faut passer par les... J'ai mal vu, faut passer par le plafond. J'ai comme un mauvais pressentiment. On se calme, les gars. Ou alors il y a un truc que j'ai pas repéré. Elle est vers là-haut. Ouais, mais quel intérêt. Non, j'ai aucun intérêt à faire ça. Ah, attendez, que je réfléchisse. J'ai fait la même électricité pour accéder à ici. Là, j'avoue que je pige pas. Qu'est-ce qu'il raconte? On doit se paumer facilement ici. Parler dans la radio? Ah ouais. Caporal Shepard, ils nous ont laissé nous aussi. Nous sommes juste à côté de vous. Éloignez-vous de la porte, nous allons la faire sauter. Bravo, Fanfan. T'es un chef.
Ça se tient pour un militaire, t'as raison. Ça fait plaisir de vous voir, Shepard. Bravo. Bonjour, monsieur. Je suis pas un pro des opérations clandestines. L'autre, il a la clope au bec. J'ai comme l'impression que quelqu'un a encore déconné et que nos gradés ont vu large. Oubliez Freeman et planquez vos fesses. Vous venez avec nous, caporal? Vous avez vu les soldats de ma section? Message de FunFan 1992, comme quoi quand on est en mode spectateur, on n'a plus la logique. Ouais, c'est vrai. Je suis pas un pro des opérations clandestines. Ok, bien compris. Ça se présente plutôt mal. Je vous suis. Droit devant, monsieur. Allez, faites sauter la porte. Reculez, caporal, c'est pour une minute. Si on s'en sort, j'offre une tournée générale de bière. Non. Alors, tu me suis? Affirmatif, monsieur. Oh, lui, je sens qu'il va me les briser. Ok, bien compris. J'attends ici. Non. On y va, caporal. Merci. Avez-vous la moindre idée de qui dirige cette opération? On se calme, les gars! J'ai comme un mauvais pressentiment. On se calme, les gars! J'ai un vague souvenir avec lui. Avec les boiseries qui est un gros bordel. Oh la vache. Ah, des plans sur l'arme. Une arme. S-Joy. Strike. Oh, je l'ai très bien visé. Très beau strike. Une bombe, trois morts. Ouais. Et là.
Ah non, là c'est fermé. Coucou. On a un alien maître conférencier. Alors les gars, oh putain. Et prends des photos de la cage à 16 heures pour inquiéter. On sera plus efficace. On sort d'ici. Oh, attends, sous l'escalier, il n'y avait pas quelque chose. Je vais vous faire entrer là-dedans en deux temps, trois mouvements. Ah bon? Bah alors ça c'est sympa. Ah merde. Oh ce bordel. Oh là. Ouh là là, ça part dans tous les sens, ça va trop vite. Oh Gordon Freeman, l'employé du mois. On y va. Ah, ah, elle est bien bonne. Vache. Attends, on ira après. Oh le bordel. De construction de l'arme. Oh la petite tasse, mimi. Ça donne sur quoi ça? Sécurité. Ah, il a ouvert en dessous, la vache. Unité au rapport. À vos ordres, monsieur. Dac, dac. Je vous couvre, caporal. Ouais, des petits cadeaux. Ouais, ouais. On peut possiblement grimper et faire un truc, mais quoi? Zone sécurisée, monsieur. Ouais, il y a peut-être un truc au-dessus. Bah oui, on peut aller au-dessus. Je peux aller sur le... Je pense pas qu'il y ait un intérêt à aller en face. J'ai comme un mauvais pressentiment. Bon là, après, il y a la structure en verre. Elle se brise si je saute? Non, ça va. Par contre, si je tire dedans, à mon avis... Oui. Oh, c'est un passage, vous savez, du rail. Du rail automatisé, là. Unité au rapport. Eh B. Oh, y a pas d'intérêt à y aller. Allez, nettoyez-moi ça. Ça se présente plutôt mal. On est dans la merde, jusqu'au cou. Très bien, passez devant. Alors, il me suit. Très bien, je garde cette zone. Non. Oui, monsieur. Il va me les briser. Ok, bien compris. J'avais plus qu'un mois à tirer et on monte. Je reste de garde. Non. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Il va pas me suivre. J'ai comme un mauvais pressentiment.
Bon, si j'ai plus besoin de lui, on verra. Sinon... Message de FunFan 1992. Je crois que c'est les mêmes crétins que tu as tués facilement avec Gordon Freeman dans le silo à grains ou un truc comme ça. Possible. Je suis désabusé. Merdoum! Je vais y arriver, oui! Ah. Ouh là là. Ça, c'est pas une corde, mais... Encore que... C'est une corde ou c'est une cochonnerie qui te bouffe? On va vérifier. Ah non, c'est une cochonnerie qui te bouffe. Je suis bêtement blessé, je recommence. C'est dégueu. Oula. Ah, puis oui, il n'y a pas de magnum avec... C'était bien contre eux d'avoir le magnum, mais c'est Gordon Freeman qui l'a. Ah, eux, c'est chiant. Ouais, il est pas sûr. Ah, ok. Alors... Voilà. Mais c'est bien qu'il y ait des explosifs derrière. Merde, il y en a un deuxième. Ici. Va falloir jongler. Alors un petit peu plus bas. Très mauvais. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Trop bas. Trop bas. Oh, je l'aurais eu trop vite sur la corde en fait. La prochaine c'est peut-être la bonne. Voilà. Pa-da-p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 a-
là. Je parlais à la radio. Mayday, Mayday, vous m'entendez? Ici Tango Charlie 409. Nous sommes attaqués, je répète, nous sommes attaqués. Les Black Ops sont pénétrés dans la base et ont ouvert le feu sur nous. Nous avons besoin de renforts immédiatement. Over. Terminé. Ouh vache. Je crois qu'il faille aller en haut, non? On va voir. Re-sauvegarde. Ah oui, la surface, ça fait du bien. Faut que je nourrisse mes clébards. Ça fait du bien de revoir un uniforme, monsieur. Nourris tes clébards. J'ai un mauvais pressentiment. Il faut absolument qu'on parvienne jusqu'au point d'évacuation, près du secteur lambda. On réussira peut-être à choper Freeman au passage. On devrait pouvoir y arriver par le réseau de transport. Mais pour ça, faudrait déjà ouvrir cette porte. Si seulement on pouvait mettre la main sur un ingénieur. Pourquoi pas? Il est fou! C'est quoi ce doublage? C'est, il y a des doublages hallucinants! Ok, bien compris! Ça se présente plutôt mal. Voilà, ça c'est fait. Ah, et puis tiens, vous savez quoi? Je reviens dans 2 minutes. Excusez-moi du peu. A tout de suite. Veuillez excuser cette interruption de programme. Le sage doit soulager sa vessie. Il s'est donc précipité en chambre basse, aux toilettes si vous préférez. Émoticône souriant. Merci de bien vouloir patienter quelques instants. Le sage reviendra rapidement. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Navré de vous décevoir, mais point de fouet par ici. Sauf si Nash est de passage, il pourra éventuellement vous prêter le sien. Mais on l'a pas vu depuis un petit moment, il ne vient plus aux soirées. Donc voilà, le temps de me laver les mains, forcément. Point de vue hygiénique. Ah bah c'est bien ce que je vois, vous avez chacun vos sons. Eh bien. Ouch. Allez, je me réinstalle confortablement. La suite. Alors du coup, ça m'a pris, Gamba, il y a quelque chose ou pas? Ou c'est okay, la mort qui m'attend? D'accord, ok, c'est le lien par rapport à... J'avais pas fait gaffe comme quoi c'était... Merci pour le clip. Mais... Ah, c'est bien foutu. Il faut absolument qu'on parvienne jusqu'au point d'évacuation, près du secteur lambda. On réussira peut-être à choper Freeman au passage. On devrait pouvoir y arriver par le réseau de transport. Mais pour ça, faudrait déjà ouvrir cette porte. Si seulement on pouvait mettre la main sur un ingénieur. On va mettre la main sur un ingénieur, c'est ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Bon bref, il faut que je défouraille à l'explosif là. Ouais.
Voilà. Merci pour l'équipe. Oh merde. Mais c'est pas vrai. Ah, lui avait plus de précision. Oui, bonne idée, c'est une scène, ouais. À l'occasion, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Si tu pouvais, truc tout bête, s'il te plaît, une scène à l'occasion, me copier-coller ta phrase en message privé Discord. Ce qui va me permettre, moi, de préparer les jeux qu'on peut se faire en commun. C'est tout bête, mais j'y pense pas forcément. Très bonne suggestion de ta part, une scène. Merci d'avance. Monsieur, quoi. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Non, non, pas dans Jaff. Pas dans Jaff, là, pour le coup, parce que je vais essayer de faire ça de manière particulière. Tu me fais juste rapidement copier-coller dans les messages privés que tu m'envoies sur Discord, s'il te plaît, c'est parfait. Je vais m'y accaparer. Dans les jeux à faire, va venir ton Fear. Là, quand j'aurai fini Half-Life, je pense, ou un autre jeu, j'enchaînerai sur le Fear, promis. Un Portal 2, je le connais pas. Autant j'ai fini le 1, autant le 2, je l'ai jamais lancé, alors que j'ai la chance de l'avoir. Mais il me fait quoi, lui? Je reste de garde. Droit devant, monsieur! Hmm. J'ai comme un mauvais pressentiment. Mais en quoi il va m'aider, lui? Très bien, passez devant. Oui. Ouais, encore plus à deux, par table. Okay, ouais. Bien compris. On sort d'ici. J'attends ici. À vos ordres, monsieur. Oui, il me suit. Vous avez vu les soldats de ma section? Très bien, je garde cette zone. Non. On sera plus efficace. Oui. Merci. Vous avez vu les soldats de ma section? J'attends ici. Je vous suis. Oh. Très bien, passez devant. Il y a un truc qui m'échappe là. Là, il y a un truc qui m'échappe. Ah, par là peut-être. Ah, il retourne vers la porte. Mais non, c'est peut-être là la suite en fait. Pourquoi on nous envoie toujours lorsque l'armée régulière est débordée? Je sais pas. Je suis là pour faire mon colis. Un point, c'est tout. On vient finir par s'en rendre compte. Attends. À mon avis, j'ai loupé des dialogues. Je vais pas péter la grille tout de suite. Pourquoi on nous envoie toujours lorsque l'armée régulière est débordée? Je sais pas. Je suis là pour livrer mon colis. Un point, c'est tout. Ah, ils vont bien finir par s'en rendre compte. Là, je pense qu'il faut que j'ai besoin de réflexes, parce que péter la grille et changer d'arme, ça va être chaud avec eux. Sauf si... Putain, j'ai eu au couteau, le mec. Ah, ils sont nombreux. Ah
Alors là, l'enchaînement est pas mauvais. C'est juste que j'ai trop tardé à réagir. Oh merde. Le mec qui balance une grenade, en fait, ça fait boum, c'est ça? Je vais recommencer. Ah non. Elle est pas active celle-là, c'est pas scripté ici. Bizarre. Oh merde, il m'a eu. La violence. Hop là, attrape. Caporal, je vais pas m'en tirer. Tout ce que t'as à dire? Non, le couteau est plus efficace que tu as. Certes, elle devient plus puissant la clé, mais elle est lente et dure d'amener. Elle est vraiment lourdingue, alors que là, encore c'est un truc qui a plus. Non, je sors pas mieux. Zone sécurisée, monsieur. Eh ben, c'est cool. Ah, oh, bah il va me suivre, votre clampin. Affirmatif, monsieur. Ou pas. Très bien, je garde cette. On y va, caporal. Ah, on avance. On avance, on avance, on avance. Allez, nettoyez-moi ça. Comment ça? Il est fou, pourquoi il crie comme ça? Allez, viens le soigner. Mais soigne-le. Regarde-le pas. Je vais arranger ça. Merci. Oui, bien sûr. Alors. Oui, Christella va prendre son antenne. Merci, Nash, d'être passé. Merci tout plein. Bisous, bonne fin de journée. À plus. Alors, Edune, le mec, il reste planté devant son collègue qu'il est censé soigner. C'est limite s'il dit pas, attendez, je vais prendre des photos alors que le gars est en train de pisser le sang. C'est pour mon rapport. Et l'autre, là, dans le feu de l'action, j'ai toujours rêvé de faire médecine chez les militaires. Hein. C'est bizarre. Ah, la. Ouais, bonne modération à toi, Nashevman, chez Christella. A plus. Mmh.
Voilà. Ah, c'est parce que je lui ai pris sa place. Dans le script, je lui ai pris sa place. Voilà, il se présente. Merci, Doc. Ok, ça... bien compris. Ouais. Oh, l'équipe de bras cassés. Allez, bougez vos boules, là, j'en ai marre. Oui, monsieur. Passe pas planter là. Vous avez vu le soldat de ma section? Alors, qu'est-ce qu'il disait au sujet de... Oui, faire sauter ça ou ça, je sais plus. Ça, je crois. Ce serait bien d'accéder au secteur lambda. C'est bon? J'ai comme un mauvais pressentiment. On fait quoi du serrurier, Shepard? Merci. On est dans la merde. Comme un mauvais pressentiment. Ok, bien compris. J'aurais peut-être pu le garder. Ah, attends, je vais aller rechercher l'autre, tant pis, on va revivre la séquence, mais... Allez, go. Je vous couvre, caporal. C'est bien, je récupère des munitions par la même occasion. Allez, go. T'inquiète pas, soldat. Je vais arranger ça. Voilà. Là, déjà, c'est plus cohérent. Ça se présente. Merci, Doc. Ok, bien compris. On sera plus efficace. À vos ordres, monsieur. Oui, ils me suivent. Cette opération sans le pâté. Le pâté le rein. C'est quoi du serrurier, Shepard? Alors, par-dessus lui, il faut que j'arrive à faire un tir de grenade pour neutraliser le robot. Enfin, le trépied mitrailleur. On va finir ce côté-là. Ouais, pâté et neuf. Classe! Efficace! On doit se poser facilement ici. Bouge! Merci. Alors, comment dire? Ah bah. Mission de routine, hein? Ça fait du bien de revoir un uniforme, monsieur. Caporal, c'est quoi cette histoire? On nous a jamais parlé de mission secrète? Enfin, on est tous du même côté, hein, les gars? Je sais pas en quoi consiste leur mission, mais on a autre chose à foutre. J'espère qu'on va trouver un véhicule sur ces rails. Ah. Avez-vous la moindre idée de qui dirige cette opération? Ok, bien compris.
Ah, génial. J'ai comme un... Je dois garder ce secteur. Je sais pas si je peux. Je suis pas un pro de... Ça va casser la musique. Ah, oui, si, ça a cassé la musique. Affirmatif, monsieur. Unité au rapport. Ça se présente plutôt mal. Je sais pas pourquoi, okay, mais j'ai compris. Je reste de garde. Ouais. Je sens qu'il va y avoir un gros boxon avec les 4 Gugus avec moi, toutes les squads, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir des bugs, des collisions, des... Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Très bien, je garde cette zone. On y va, caporal. Non, un bizutage. À vos ordres, monsieur. Oui, monsieur. Les quatre me suivent. Vérifiez votre secteur. Quoi? Eh, pas mal l'intelligence artificielle. T'en voulais encore? Ah. 100% de réussite. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah la vache! Le vrai héros, c'est lui le vrai héros, c'est ce mec. Ah. Vous avez vu ça, caporal? Ah ouais. Il se casse. Bye bye. Énorme. Zone sécurisée, monsieur. Oh la vache. Vérifiez votre secteur. Ah. Allez, ça va être la fête. Wouah, comment qu'il s'est fait, ninja. Merde. Ah. Reconnaissant son rapport. Peut-être changer de flingue. Oh merde, j'ai tué un de mes hommes. Par l'effet de souffle. Ouais, merci pour le gros clip, merci. Ah merde. Ah. Vache, c'est bon. Vache. Oh, oh, nouvelle arme. Wow, la violence. Énorme. Wow. Mais je vais recommencer de toute façon. Je vais recommencer. J'ai comme un mauvais pressentiment. Attends. Très bien, passez devant. J'attends ici. Ouais, bougez pas. Je reste de garde. J'attends ici. Je vais me les faire à moi tout seul. Unité au rapport.
Vous avez vu les soldats de ma section? Ah, ils sont déjà là. Allez, nettoyez-moi ça! Vérifiez votre secteur! Ah, je les aurais déjà trucidés? J'ai comme un mauvais pressentiment. Ah oui, je les ai eus. Alors j'aurais dit de pas bouger, ils ont bougé. Ok, bien compris. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Très bien, je garde cette zone. On sort d'ici. On y va, caporal. Oh là 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 là. On est dans la merde jusqu'au bout. Je reste de garde. Ouais. Ouais, il est bien lui, il est bien posté. Et les deux autres font quoi? Ça se présente plutôt mal. Reste là? Allez, bon, bah il reste là. C'est pas grave. De toute façon, je vais continuer sans eux, ça va être le coup du rail okay, alors. Bien compris. Message de FunFan 1992, les militaires sont envoyés pour éliminer les aliens et le personnel de Black Mesa, les Black Ops sont envoyés en plus des aliens et du personnel de Black Mesa pour éliminer les militaires, merde, on est tous humains, on devrait s'entraider contre les aliens. Bah ouais. Vache. Ah ouais. Merde. Ils sont combien? Si je l'ai eu. Non. Merde, boum. Putain, il y en a plein. Vache, violence. J'ai plus que 9 points de vie. Faudra que je me refasse une santé. Voilà. Bon, je vais prendre le temps de faire un peu d'inspection, exploration là, parce que...
Il était où? Il était derrière le mur là, ouais. Oh la vache! Il m'a pas loupé. Non, fusil à pépon, je peux me le faire. Merci. Vache. Dur. Alors je vais récupérer un max de matos. Il faut rien négliger. Hein. Il y a les boîtes qui s'explosent et tout. Il faut vraiment tout fouiller, tout récupérer. Message de FunFan 1992. Il y avait un autre endroit où tu avais trouvé de la vie. Ouais. Mais je vais y revenir. Je suis en train de me faire une santé là, donc ça va. Ah, il est mouru. Ouais. Ah, y a plus rien. Ah, à droite à gauche, je récupère du matos. Je sais plus, c'est par là que j'étais arrivé, je crois. Ouais, j'étais arrivé par là-bas. Ça, je n'ai pas besoin. Ah bon. J'ai trouvé douze cartouches, de fusil à pépon. Non, c'est bien. Ah, lui, il est quick. Ah non, je vais pas faire en dessous. Hop là. Ah, il va falloir que je négocie une marche arrière, je pense. Alors, la suite. Il est 16h. Oui, d'ailleurs, attendez voir. Merde alors. J'arrive même pas à voir le curseur, j'ai pas l'air idiot moi. Merci. Voilà. La suite de l'aventure se passe par là-bas. On voit qu'on est le 15 août, hein, y a personne en audience.
On est vraiment peinard. Ah, la bonne blague. Bien. On y va, tranquillou, peinard, pelouse. Je cherche même pas à enclencher les autres vitesses. Ah, bah c'est là où on était. On reconnaît. De la cohérence des niveaux. Vachement bien. Émerdir. Parfait. Tiens, attrape. Dommage. C'est... Là, j'ai réussi mon tir. On va se taper la porte, le truc. Oh la vache. Oh le beau que son. Non, on n'est pas besoin. Aïe aïe aïe. Derrière la boîte, y a rien. Non, y a rien. Merde, je me suis bloqué. Non, mais non, mais... Ah! Voilà, merci. Mais non, mais... Je me suis mangé la châtaigne du câble électrique, c'est débile. Tiens. Je gère pas si se passait rien. N'importe quoi. Une seule passe. Ça y est, allez-y. Maintenant. Dépêchez-vous, Prima. Je ne peux pas le garder ouvert très longtemps. Ah, excellent. Excellent. Oh, c'est 4 à 1, Tattle. Le sujet a tenté de créer un paradoxe temporel. J'ai pas le droit de sortir de mon portail, en fait. C'est drôle. C'est drôle. Paradoxe temporel.
Ah, c'est bien qu'ils y aient pensé. Ah. C'est rigolo. Tu te demandes si tu peux pas atterrir quelque part. Merde, j'ai pas la mémoire. Shepard. Cette violence. Ah, il est là-bas. On a vu Gordon Freeman. On l'a vu sur le rocher. Énorme. Ah, c'est génial. La cohérence, elle est géniale. À chacun son portail. À chacun son portail. J'étais pas pressé de retrouver le monde du Xen, hein, parce qu'il est balèze. Mais bon, c'est une atmosphère. C'était du gâchis. La musique, elle est bien. Ah, ça fait bobo ici. C'est un truc d'énergie à éviter, ça fait bobo. Damage. Quoi? Pourquoi il y a le portail rose en dessous? C'est bizarre. Faut que j'atteigne le portail rose? Non, je l'ai loupé. Merde. Mais non. Voilà, je vais me tuer. Merde! Ah, j'ai loupé de si peu. Oh, mais non, mais... Je suis assez attiré par le truc, mais quel idiot je fais. C'est là-bas qu'il faut que j'aille. Thank you.
si entre Aero et moi ça se passe bien, je lui proposerai de l'inviter à mon tour sur ma chaîne s'il le souhaite pour qu'on fasse Scuppet. Alors, Cuphead, propose-lui le principal, l'histoire principale, pas le DLC, pas le contenu additionnel. Hein. Tu dois savoir qu'il peste contre le DLC qui a été bâclé. Mais ouais, pour le Cuphead principal, ouais, peut-être qu'il va accepter de jouer en coop avec toi, ouais, éventuellement. Ouais. Une bonne idée. Mais voilà, garde ça dans un coin de ta tête, ouais, c'est sympa ton idée. Cette violence! Oui, pour l'histoire principale, ouais, ouais, ouais. Oui, ça pourrait lui plaire à Aero, là, la proposition. Pour entrer dans ces tuyaux, vous devez effectuer un saut accroupi. Placez-vous juste devant l'entrée du tuyau et continuez d'avancer. Sautez et une fois en l'air, appuyez sur la touche permettant de vous accroupir. C'est un peu difficile, mais ça se révélera très pratique. Hein? Tu voulais que je fasse l'entraînement? J'ai créé une boucle spatio-temporelle et je me suis propulsé dans l'entraînement. Voilà, je suis à l'entraînement, fun fan. What? Mais c'est celui de Freeman? Quoi? Merde. Oh! Ah! Il va me buter, lui, je le sens. Voilà, histoire qu'il ne me blesse pas. Merde, je vais y arriver. L'entraînement, c'est pas pour moi. Ouais, évidemment. Ouais. Comique. Non, ça sert à rien. Oh, sympa ça. Ça, je prends. Ah, les bandes de comique. Et merde. Je vais y arriver, il ne faut pas désespérer, oh yeah. Je vais tout casser. J'ai pu viser. Moi je dis que ces bestioles vont crever, oh yeah. Allez, danse, la bataille. Là-bas.
là-bas, il y a un truc à atteindre. Ah oui, je m'attendais pas à être propulsé à l'arrivée, moi. Oh la vache. Donc attends, faut juste l'arriver, du coup. Merci. Eau profonde. Waouh. C'est... Ouais, c'est vraiment bloqué, bloqué, ok. J'essaie de voir s'il n'y a pas un secret caché derrière, mais non. Ah. Bon, c'est le moment d'inspecter les armes. Merde, on s'est tiré sans le vouloir. Ah, un peu nerveux le soldat. Oui, oui, oui. Nerveux de la gâchette. Cadeau, rien du tout. C'est scandaleux. L'échelle du non-sens du... Voilà. C'est pas dans le labo, non. Non, le labo là, tu n'es pas. Il y a qui là-bas? Accès refusé. Oh merde. Oula, on a tout défoncé. J'ai bien peur de m'être piégé d'ici tout seul. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir actionner cette plateforme de transport? Ah, attends, il y a du monde. C'est pas drôle s'il n'y a pas de monde. Version murale du Eve et la version en boîte portable par les militaires, pas con. Merci de m'avoir libéré. Je peux vous aider à accéder à toutes les zones sécurisées de ce labo si vous voulez. Comme c'est intéressant, regardez ça. Pour... Regardez un peu ces marques. Bizarre, non? C'est... En informatique, c'est facile de désactiver des accès à des ressources. Pourquoi ils n'ont pas pris le temps de désactiver les sons, enfin les voix du jeu original? C'est dommage. Ça fout tout en l'air. Quand l'autre dit il se passe des choses étranges ici, oui, tu m'étonnes. T'as un individu de deux jarres, j'ai envie de dire. Pardon. Parce... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, FunFan. J'espère que celui de la Lambda parviendra à garder ça sous contrôle. Nope. Très bien. Je serai discret comme une ombre. Ouais, j'espère. Moi. Ah, ça marche plus dans un sens. Eh ben, tu vas m'ouvrir l'accès avec les yeux. C'est où ton des yeux là? Voilà, le scanner rétinien, il est ici. Accès refusé. S'il vous plaît, monsieur. Merci.
Cette brèche interdimensionnelle véhicule de la matière organique, c'est une certitude. Ah, reste dans ton labo, mec. Ça vaudra mieux. Oui, ça vaudra mieux. Ah. Ah oui. Lâche. Il y en a combien? Putain, mais c'est pas vrai. Il y en a eu un autre là quoi. Merde. Il est où? Oh là 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 là! C'est bon, c'est passé. Surtout qu'il y a un trou au-dessus en plus. Voilà, c'est le néant de je sais pas quoi. Avant de monter sur la plateforme, il y avait un peu de soin. Maintenant que tu me le dis, merci. Avant de monter sur la... Ah oui, exact. Je suis allé trop vite, t'as raison. Bien vu, merci, Falfan. Eh bien, tu mémorises, t'as le coup d'œil, bien joué. Fusil à pompe, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, je suis prisonnier. Parfait, là. Bah ouais, je sais plus quoi. Ah, je suis dans la cage. C'est bien fait, c'est beau. Regarde, on y va. Pas de bestiole. Pas de bestiole. Je sais pas si je peux tirer sur le nom, je peux pas. Le mode grille est plus bas. Ah, peut-être pas, non. Vu la bestiole. Oui, heureusement que les zombies ont d'autres tensions, effectivement. Ah.
va. Ils ont vraiment de tension. Oups. J'ai stoppé en plein vol. Ok. Lui, il est mort. Alors... Une balle bien placée. Ça, j'ai vu. Attends. Non, il n'y a rien de style là. Oh, il en fait une tête le mec. Ça c'est moche. Oh la vache, la sale bête. Ouais, j'ai dû libérer le passage de la sale bête, je présume. Sinon, c'est pas drôle. Je sais pas si je peux m'en servir en... Avec un peu de chance, je l'ai téléporté, je sais pas où. Alors pour un animal aquatique, pour que j'ai téléporté dans un endroit sec, ça doit être une mort atroce. Ah, bien joué. De l'extrême. Merci. Oh, c'est les nouveaux Marion là. Oh, ils sont beaux. Beau et coriace. Mais je rêve. Salopard, il a résisté quelque chose de bien. Pépon. Fini le chapitre et je passe au pot de pot camion, hein, comme dirait Pinson. Bon. Vive le sacro-saint fusil à pépon. Xenoc.
Icarus Ixticantus. IB. Et là, elles sont deux, les bestioles. Merde, boum. Je vais me faire déboîter. Je sais même pas où est-ce que je dois aller, d'ailleurs. Je pense que c'est en surface. Vite. Réalité parallèle. On va s'arrêter là. C'est court, hein, mais c'est intense ce jeu. Ah. Oui, je fais une sauvegarde, n'importe quoi, moi. Mais franchement, les Half-Life, il n'y a rien à redire. C'est absolument génial. Alors, attendez.